Gabriel Witkop, écrivain de langue française et de langue allemande, vous avez d'ailleurs la double nationalité, vous êtes traductrice, dessinatrice, journaliste, grande voyageuse, et notamment dans des pays assez éloignés et dangereux comme Bornéo, l'Inde, etc., spécialiste du tigre. Enfin, vous êtes une femme très originale, très sulfureuse, très étonnante, que j'ai découverte dans un compte-rendu, dans le compte-rendu d'une visite que vous a faite Jérôme Garcin. Vous habitez à Francfort, donc dans le compte-rendu qu'il a fait de cette visite dans le Nouvel Observateur. Alors, il raconte que vous lui avez ouvert votre porte en disant « Bienvenue chez la petite fille de Donatien », autrement dit « Bienvenue chez la petite fille du marquis de Sade ». Vraiment, c'est votre maître, Sade? Ah, oh, bien des égards, c'est mon maître, un maître à penser, car j'admire sa philosophie. J'ai moi-même été élevé dans l'esprit de la philosophie matérialiste du XVIIIe siècle, de Condillac, Lametri, Holbach, Helvétius. Et c'était des penseurs, mais ce n'était pas des stylistes. Mais ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois au cours de diverses interviews. Tandis que Donatien, alors lui, c'est un styliste prestigieux et éblouissant, et qui n'a pas vieilli. Alors, maître, est-ce que c'est un maître à vivre aussi? Ça dépend dans quelles conditions on peut et on peut vivre. Mais pour vous. Un maître à écrire, certainement. Mais pas à vivre, quand même. Les conditions ont tellement changé, et les conditions sociales, toutes les conditions ont tellement changé qu'on ne peut pas établir de parallèle. Catherine Cusset, vous enseignez Sade aux Américains? Moi, j'ai fait une thèse sur Sade, donc je le connais bien. J'ai fait une thèse sur Sade autrefois, oui, donc je le connais très bien. Mais enseigner Sade, moi, ça m'a toujours posé problème. J'adore Sade, j'adore son style. Mais à cause des mots qu'il faut prononcer en cours, et qui ne gênent pas du tout les Américains, parce que quand vous prononcez ces mots-là dans une langue étrangère, on ne les entend pas. On ne peut pas. Mais moi, ça me gêne un peu, donc je l'enseigne un petit peu. Mais c'est très difficile, vous avez raison. Il y a des mots qui ne peuvent pas être traduits chez Sade. Et d'ailleurs, dans toutes les langues, c'est le même problème. La maison, ce n'est pas das Haus et ce n'est pas the house. C'est toujours différent. Alors, la France, vous avez un peu oublié, il faut bien le dire, depuis l'apparition du nécrophile. Alors, moi, je me souviens de ce livre qui était paru en 72 chez Régine Deforge, alors qu'elle était éditrice. Excusez-moi, j'avais compris que j'avais oublié la France. Donc, un livre qui avait été un peu frappé de quelques interdictions à l'époque. Je me rappelle qu'il avait fait grand bruit. Alors, vous avez fait paraître d'autres ouvrages par la suite. Mais vous pensiez que la France, vous avez oublié ou pas? Oui, je trouvais peu d'écho. Oui. Je trouvais peu d'écho, effectivement. Mais quelquefois, par surprise, je rencontrais quelqu'un qui disait « Oh, le nécrophile !» Ou était très étonné aussi de voir qu'une femme avait écrit le nécrophile, car j'écris comme un homme. Et beaucoup ont pensé que Gabriel Witkop, c'était un homme qui avait écrit le nécrophile. Le narrateur est toujours un homme quand je parle à la première personne. Alors, les éditions verticales publient un inédit de vous, Sérénissime Assassinat, ils font reparaître La mort de C, qui est paru il y a quelques années. Alors, on voit le nécrophile, Sérénissime Assassinat, La mort de C. La mort semble être l'un de vos thèmes favoris. C'est un thème qui s'impose, sitôt qu'on réfléchit d'une façon sobre. Elle est en chacun de nous. L'attente présente, elle nous guette, et il faut voir la chose sans la dramatiser. C'est un phénomène naturel auquel nous devons nous préparer. Oui, et qui vous inspire? Oui, parce que vraiment, on ne vit pleinement que quand on pense à la mort. Il ne faut pas refouler et il faut dire « Carpe diem, je suis là, je vis maintenant oui. ». Et ça, c'est un sentiment, c'est une force sauvage. Qui vous habite tout le temps? Tout le temps. Qui m'a habité dès l'enfance. Oui. Quand sur une grève, je voyais des squelettes d'oiseaux morts, tout ça, ça me faisait penser à la mort. Alors, toujours en lisant l'article de Garcin dans le Nouvel Observateur, j'ai appris donc que vous êtes né à Nantes en 1920 et que vous vous appeliez à ce moment-là Gabriel Ménardot. Comment êtes-vous devenu Gabriel Witkop? Parce que j'ai épousé un Allemand, Justus Witkop, mais je trouve que tout cela est sans importance, étant donné qu'on parle beaucoup trop de ma personne et pas assez de mes livres. On va en parler, on a le temps, on va en parler. Non, mais je voudrais savoir, parce que c'est intéressant, parce que c'est sur la famille. Alors, vous avez épousé quand même un Allemand? Non, parce que j'ai lu ça, j'ai été quand même un peu horrifié. Non, ce pas qui horrifié. Est arrivé. Eh bien, il m'est arrivé que j'ai rencontré chez un ami peintre un Allemand très, très anti-nazi. Et nous nous sommes rapprochés et il ne voulait pas servir Hitler. Et il m'a dit qu'il voulait déserter. Alors j'ai dit, moi j'aime l'aventure, hein. Alors on déserte ensemble, quoi. Et puis je l'ai caché. Nous sommes cachés pendant la guerre. Pendant l'occupation. Pendant l'occupation. Rue de Seine, au numéro 36, chaque fois que je passe devant la maison, je me dis,
Je revis le temps où nous vivions dans la mansarde avec une faim terrible, terrible. Nous n'avions rien à manger. C'était épouvantable. Et alors, quand Justus, mon mari, Justus Witkop, quand les alliés sont entrés dans Paris, il s'est présenté et il a été envoyé en Angleterre. Et là, il travaillait pour la BBC parce que ce n'était pas la fin de la guerre. Il y avait encore 10 mois de guerre, n'est-ce pas, jusqu'à la fin. Et il y avait des émissions en allemand qui étaient destinées à l'Allemagne et qui étaient en Allemagne écoutées clandestinement. Ça pouvait coûter la vie à ceux qui les écoutaient. Oui. Mais vous ? Et moi, j'ai été arrêtée, dénoncée. Dénoncée parce que vous aviez abrité un Allemand. Voilà, oui. Bosch, c'est Bosch. Nous avions beau dire, j'avais beau dire, tout à fait anti-nazi. Bosch, c'est Bosch. Rien à faire. Contre la bêtise, aucune drogue. Tendu ? Oui, tendu. Tendu. Mais c'est tout. Vous auriez pu... J'aurais pu être pire. J'ai vu des femmes qui avaient été violées, elles étaient dans un état effrayant. Moi, je me serais ôté la vie, ça c'est certain. J'aurais pas supporté ça. Et alors, vous êtes resté 40 ans, marié ? Oui, 40 ans. Oui. Mais c'est étonnant parce que vous ne faites pas mystère de vos goûts. Non, mais ça, c'est pas important. Oui, mais enfin bon... On en a trop parlé. Oui, mais pas ici. Les gens qui vous écoutent, non, non, tant pis. Oui. Oui. Bon, et... Alors, vous dites à un moment, j'écris, je vis comme un homme, toujours dans cette interview, jusque dans une certaine misogynie. En cela, je crois bien que je ressemble à Marguerite Yourcenar. Ma misogynie consiste en une certaine expérience. Je trouve que les femmes sont très conformistes. Elles sont aliénées par la famille, par les enfants, par toutes sortes de préjugés, plus que les hommes, je crois. Oui. Biologiquement, l'homme est d'ailleurs plus libre. Normalement. C'est pour ça que vous détestez les enfants, parce que c'est un frein, c'est une... Écoutez, je peux dire que je déteste les enfants, c'est un peu sommaire. Je déteste tout ce qui aliène l'indépendance. Et puis l'amour, c'est une chose qui ne se laisse pas sur commande, qui ne se laisse pas provoquer sur commande. Il y a trop de gens qui font comme s'ils aimaient les enfants et qui ne les aiment pas. Et qui ferait mieux de ne pas en avoir. Si vous saviez combien souvent des gens se sont confiés à moi... Des gens que je ne connaissais pas, toujours des inconnus naturellement, dans les trains par exemple, dans les gares, me racontant à quel point la famille les oppressait, les détruisait. J'en ai assez, j'étouffe en famille, mes enfants me sont une charge épouvantable, ils m'empêchent de lire, ils m'empêchent de vivre. Et tout cela, moi j'écoutais, je ne provoquais pas ces confidences. Et j'ai même eu la confidence d'une touchante infanticide et elle pleurait. Elle avait tué son bébé parce qu'il gueulait. Et elle me dit, vous me condamnez? Je dis oui, je vous condamne absolument. Pas parce que vous l'avez tué, j'aurais fait la même chose, je ne supporte pas le bruit. Mais parce que vous l'avez eu sans être destiné à cette forme de vie. Vous auriez dû savoir ce que c'est, vous auriez dû penser avant. Seulement voilà, beaucoup de personnes jugent avec leur viscère, excepté avec celui qui est destiné à cette fonction. Le cerveau. Elles jugent avec leurs entrailles. Je suis très contente de vous entendre, madame, parce que je comprends maintenant pourquoi vous me faites peur. Excusez-moi, madame, je vous entends très mal, madame Giroux. J'ai dit que j'étais contente de vous entendre parce que je comprends maintenant pourquoi vous me faites peur. Je vous fais peur? Oui. Oui. Et ce que vous écrivez aussi, je veux dire, je trouve très beau ce que vous écrivez. Vous avez une très belle écriture, un sens de la formule, un peu de perversité, ça c'est pas pour me faire peur. Mais il y a quelque chose qui me fait peur dans ce que vous écrivez. Et en vous entendant, je comprends pourquoi. Ouais. Alors, c'est très bien, je vous ai aidé à saisir quelque chose qui vous échappait jusqu'à là. Je me demande quand même si en stigmatisant l'aspect qui peut être très aliénant en effet de la famille, c'est pas toute la structure sociale qu'on condamne. Parce qu'il y a des gens qui sont obligés d'aller tous les jours dans une usine, dans un bureau, n'importe où, et qui se mettent à haïr les gens simplement parce qu'ils sont obligés de les voir tous les jours. Alors tout ce qui est structure régulière peut devenir haïssable. Vous avez raison, c'est certain. Alors là, celui que je préfère, c'est évidemment La mort de C. C'est, parce que ça, je crois que c'est un livre, effectivement, c'est un livre superbe, admirablement écrit, qui a été inspiré par un fait divers réel dont a été victime. Par un fait qui n'était point si divers, car C. Christopher était un ami qui m'était très proche.
Oui, et qui a été tué en Inde. Assassiné. Assassiné. Qui a assassiné. Alors vous racontez d'ailleurs l'assassinat, mais comme dans une caméra qui raconterait sous différents angles l'assassinat. Parfois c'est pas la même chose, mais on a l'impression. Mais il n'y a pas d'émotion dans la manière dont vous racontez. Je l'ai maintenu, ça, je l'ai contenu cette émotion, je l'ai réfrénée. Pourquoi vous ne voulez pas céder aux émotions? Celle-là m'était trop proche, vraiment. Et j'ai écrit ce livre en guise de catharsis. Oui, mais... Je me suis sentie mieux quand j'avais écrit ce livre. Parce qu'il y a quand même, on a l'impression que vous racontez chaque fois le couteau qui vient dans le foie. C'est absolument terrible, et tout ça dans une langue parfaite. Ah oui, super. Dans une langue admirable. Super. Qu'est-ce que... Mais c'est un crime qui m'a causé beaucoup de chagrin, pourtant. Oui, mais on ne le sent pas, le chagrin. Ah, mais il n'est pas pour les autres, il est pour moi. C'est mon chagrin. Mais pourquoi ne pas en faire part aux autres? Parce qu'ils ne connaissaient pas Christophe. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on n'a pas vu. Ah, si oui, mais on peut aimer quelqu'un dont on vous raconte l'histoire. En effet. Ouais. Qu'est-ce que Catherine Cusset voulait... Je suis tout à fait d'accord. Quand j'ai trouvé aussi que l'écriture était... Enfin, je me suis demandé, effectivement, parce que j'avais lu qu'on vous disait sadienne. Enfin, d'ailleurs, la quatrième de couverture le dit. Donc, je me suis demandé pourquoi. Et j'ai trouvé qu'effectivement, dans la froideur de l'écriture, il y a un style comme ça, assez froid, une écriture très nette. Il y avait effectivement quelque chose ici d'une écriture un peu sadienne. Mais j'ai été aussi frappée par cette absence d'émotion. Oui. Et pas seulement dans ce livre-là, mais également dans l'autre. Ah, dans l'autre aussi, oui. Sérénissime Assassinat, où vous décrivez la mort de toutes ces jeunes femmes, finalement, mais l'une après l'autre, comme ça, avec beaucoup de froideur. Mais elles sont imaginaires, les figures de Sérénissime Assassinat sont imaginaires. Tandis que Christopher était quelqu'un de très proche, et il a effectivement été assassiné. Et on ne saura jamais la vérité. C'est pourquoi j'ai conçu le livre un peu comme le film Rashomon, n'est-ce pas? Et je dis moi-même au début de l'ouvrage plusieurs radiographies d'un meurtre. Oui, avec des ralentis même. Oui, oui, c'est ça. Et alors si je m'étais laissé aller à l'émotion, j'aurais pas pu faire le livre. C'était une question de discipline envers moi-même. Alors le deuxième livre auquel vous faites allusion s'appelle Sérénissime Assassinat, donc qui est l'inédit, qui est un livre. C'est un livre totalement baroque avec des mots très savants. D'ailleurs, je regardais souvent dans le dictionnaire. Ah si, c'est vrai. Et c'est vrai. Oui. En fait, il me semble qu'il y a une sorte de mise à distance presque esthétique de la douleur. Une mise à distance esthétique de la douleur, de la mort. D'ailleurs, dans le Sérénissime Assassinat, vous passez beaucoup par la peinture. Vous avez une façon de décrire des tableaux. Et j'ai vraiment l'impression que votre regard passe comme ça par le tableau. Oui, j'ai une très mauvaise visibilité. Je n'ai que 25% de visibilité, mais je suis néanmoins une visuelle. Oui. Et la peinture a joué un grand rôle, elle m'a inspiré. Bien sûr, c'est une belle peinture. En même temps, on sent que vous aimez décrire des agonies. Il s'agit de briser un tabou, n'est-ce pas? Il y a des choses dont on ne parle pas. Oui. C'est pas chic, une obduction, n'est-ce pas? Une autopsie. C'est pas bon. Alors, puisque personne ne la décrit, eh bien moi je la décris. Oui. Mais moi, parfois, d'ailleurs, ça m'a rappelé quand même le style de Mandiargue. Ah, je l'aime beaucoup. Ah, ben oui, je n'ai pas tout à fait tort. Ah non, vous n'avez pas tort, vous avez absolument raison. Oui. Je suis une grande admiratrice de Pierre de Mandiargue. Oui. Et je viens justement de lire un de ses livres, un magnifique éroticon, L'Anglais décrit dans le château fermé. Alors ça, c'est très sadien. Oui. Voilà, bon, bah, écoutez, je crois qu'il faut... Et vous allez écrire d'autres livres, vous allez en publier d'autres Je vais en publier d'autres. Il y a des inédits, j'ai beaucoup de choses qui sont encore dans le tiroir, en attente, que je dois relire. Et puis je viens de signer 4 contrats avec les éditions Verticales, Bernard Wallet et moi. Donc vous avez tout l'avenir devant vous. Je veux me remettre au dessin maintenant, parce qu'il y a trop longtemps que je l'ai négligé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tellement impressionné par ce que je viens d'entendre. J'ai 56 ans, je crois que je ne vais plus écrire un mot. C'est incroyable comment on peut en fait perdre son moteur. Ça fait 25 ans que j'écris. Il y a des moments où j'ai l'impression que l'effort exige trop.
Je n'arrive plus à être subjectif, je suis trop critique vis-à-vis de moi-même. Je n'ai pas le courage de m'atteler à un nouveau roman jusqu'à ce que j'ai une idée qui est tellement énorme que je ne peux pas la refuser. Et je comprends tout à fait ce que vous venez de dire, à savoir cette aliénation des femmes, cet esclavage biologique. En tant qu'homosexuel, en tant que gay, je m'estime heureux d'avoir eu en fait un sort qui m'a jeté en dehors des normes de l'humanité. J'ai pu structurer ma vie exactement comme je l'entendais. Et c'est tout ça. Les enfants n'en sont pas exclus, je pourrais en avoir. Des lesbiennes peuvent en avoir maintenant, si elles font ce choix. Mais je ne suis pas enfermé là-dedans. Je peux fabriquer ma propre famille, utilisant mes amis, un ancien amant, etc. C'est un choix. On a un choix. Pourquoi le livre est magnifique, Une voix dans la nuit est magnifique? Parce que c'est voulu, c'est un choix. On choisit les amis, mais les enfants, on ne les choisit pas. Sauf dans son cas. Alors, on va venir. Alors, Colette Mingui,